Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est le 5 novembre. Je vous prends méga super tard, il est 17h. J'étais chez Anthony ce matin. On a été au commissariat. Enfin à la police, oui, commissariat. Oui, on a été au commissariat. Parce que il s'est fait péter sa voiture il y a quelques temps. En gros, il y a des gens qui ont réussi à rentrer dans le parking. Alors que déjà il faut un bip pour rentrer dans le parking. Et en plus de ça, ils sont rentrés dans son box. Et du coup, ils ont pété une vitre de sa voiture. Ils lui ont volé des trucs. Enfin, c'était des petites babioles. Hein. Enfin, vraiment rien du tout. Genre un câble d'iPhone et un truc qu'on branche à l'allume-cigare pour la musique ou je sais pas. Enfin, vraiment des conneries. Mais bon, ils lui ont quand même pété la voiture. Et puis, ils lui ont vidé un extincteur dans la voiture. Donc, il y avait de la poudre, poussière, je sais pas comment ça s'appelle, la truc blanc là. Partout dans sa voiture, mais franchement partout. Le pauvre, il a galéré à nettoyer ça avec ses parents. Du coup, on a dû aller au commissariat pour qu'il signe sa plainte et tout. Et cet après-midi, je crois qu'il a emmené sa voiture pour l'espère parce qu'apparemment la poudre c'est corrosive. Donc peut-être que la voiture est morte. Le truc trop génial. Je vous raconte pas. Il est super content. Bref, du coup ce matin on a fait ça, après on a été se promener, on a été à la Fnac, truc comme ça, vraiment juste pour se promener parce qu'on cherchait rien d'exceptionnel quoi, enfin on cherchait rien, c'était juste vraiment pour passer le temps. Parce qu'après on a été manger à Burger King, oui, en ce moment, entre les restos et les fast food, bravo Elodie. Du coup on a mangé à Burger King, on est rentré chez lui. J'ai dormi un petit peu, je sais pas pourquoi j'étais claquée alors qu'on a bien dormi et tout, mais je me suis posée sur son canapé le temps qu'il fasse ses papiers pour l'assurance justement de la voiture et tout. Puis il y avait un film de Noël sur là, hein, parce que ouais, ça y est, le 5 novembre, il y a déjà des films de Noël à la télé. Du coup j'ai un petit peu bugué devant et je pense que je me suis assoupie. Et après il y a Anthony qui m'a rejoint sur le canapé, il l'avait déplié en mode lit. Il s'est blotti contre moi et s'endormit, le petit baby. Et puis voilà, après je suis partie parce que je devais récupérer les petits monstres à 16h à l'école. Ils sont là. Aaron Owen ? Oui. Ça va mon chat ? Oui. Oui, c'était bien l'école ? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu manges là ? Une sucette. Du coup là il mange une sucette. On va faire les devoirs même s'il n'y a pas école demain. On va regarder ce qu'il y a à faire parce que demain on va sur Paris. Mais comme je filme tous les jours, on verra ça demain. Je vais finir vite fait, enfin je vais vite fait monter mon vlog d'hier parce que j'ai pas eu le temps de le faire chez Anthony, puis il faut qu'elle soit en ligne ce soir à 20h, bah vous l'aurez vu hier, mais j'aimerais bien qu'elle soit à 20h en ligne, donc je vais essayer de me dépêcher de faire ça. Et ensuite les petits iront au bain, faire leur douche, et puis moi j'aimerais bien vite fait ranger la chambre d'Owen, même si elle est pas trop en bazar, il y a quelques trucs qui me traînent et j'aimerais bien changer le lit de place, donc je vais voir. Je vais faire ça. Bon, je vais vite monter. Il faut vraiment que j'enlève mon vernis. Oui, oui, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Vous pouvez le dire. Cette main, franchement, c'est n'importe quoi. Bref, je vais faire mon montage et on se retrouve après. À part s'il y a quelque chose à dire. T'as quelque chose à dire ? Non. Non ? Bon, on se retrouve tout à l'heure. Bon, on a fini les devoirs d'Aaron. C'était vite fait. Il devait compter de 55 et lire la fiche des sons. Du son T, voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Du coup, les ranges, les devoirs, on a fini. J'ai bientôt fini mon montage aussi, je me dépêche vite, vite, vite. Et puis après, on va monter, il est 17h40 déjà quand même, ça passe vite. Il fait déjà nuit dehors. Ouais, merci. C'est bien les devoirs ? Oui. T'aimes bien faire tes devoirs ? Oui. Menteur. T'aimes bien faire des devoirs ? Oui. Ouais, bof. Hein. Il aime bien les maths, mais le français, c'est encore un peu dur. Hein. Le son et tout pour apprendre à lire, il a un petit peu de difficulté. T'as commencé le TPE ? L'APC ? L'APC, pardon. Oui. T'as été à l'APC hier ? Oui, mais c'est tous les lundis avec papa. Ouais. Du coup, il fait de l'APC, ça veut dire quoi ? Je sais plus. En gros, il a une heure de soutien le lundi en plus oui, le soir. D'abord, il faut goûter. D'abord, vous goûtez. Et après, on va faire le travail. On va faire le travail. Et t'as fait quoi du coup hier ? On a essayé de faire un mot. Ouais. Et aussi, il y avait des dessins. Mmh. Il fallait les mettre s'il y avait un ou plus. Et on avait réussi.
T'as réussi? Oui. Bon bah si t'as réussi, c'est bien alors. J'étais avec Margot. Ah, t'étais avec Margot? Oui. Margot aussi, elle a fait du ATP? Comment ça s'appelle? ATS? Comment t'as dit? APC. APC. Et aussi, déjà c'est Casey et Raphaël. Ah, vous étiez quatre? Oui. Ok, ça marche. Tu retournes lundi du coup. Du coup, il reste une heure plus tard. Comme ça, il fait un petit peu de soutien avec la maîtresse et ça l'aide plutôt pas mal. Il avait déjà fait du soutien l'année dernière et ça l'avait beaucoup aidé. Du coup, là, j'espère que ça va l'aider parce que en maths, il est super fort, il y arrive très bien. Mais j'avoue que au niveau des lettres et tout, c'est un petit peu compliqué. Au niveau des sons, il a encore un petit peu du mal. Mais il s'améliore, je trouve, quand même. Là, il a bien réussi ses devoirs. Il a moins galéré que d'habitude, donc voilà. De toute façon, on va s'entraîner plusieurs fois à faire les sons et tout pour pouvoir après, parce que j'en ai marre de lire des histoires maintenant, ça va être Aaron qui va me lire des histoires après. Bon allez, je vais finir mon montage. J'ai fini de mettre ma vidéo, enfin de faire le montage de ma vidéo, du coup là elle est en train de se mettre en ligne, je suis en train de faire couler le bain des garçons et en attendant je vais changer les meubles de place de la chambre d'Owen. Vous allez voir, c'est un peu le bordel hein. Il y a son lit, en fait quand on rentre son lit il est directement à la porte là. Du coup j'ai envie de le changer, je vais le mettre sur ce mur ici comme ça. Et puis je vais ranger ça, c'est un peu le bazar. Donc autant qu'il joue dans le bain, moi je suis à côté, je vais vite fait changer ça. Et là ça lui fera la surprise. Voilà, et je pense que j'aimerais bien refaire la chambre d'Owen Taron aussi. Parce que franchement il a trop de jouets, c'est le bordel hein, dans cette chambre. Il y a trop de jouets et j'aimerais bien lui trouver un lit en mezzanine tout basique. Mais faudrait que je trouve ça, comme ça je vais pouvoir ranger des trucs en dessous son lit, vraiment trier les jouets, lui tout mettre dans des caisses et tout pour que ce soit mieux rangé parce que c'est une catastrophe quoi. Voilà, bon je suis en train de faire couler l'eau du bain. Comme ça ils vont pouvoir les jouer un petit peu dedans le temps que je change de place et puis voilà. Du coup, voilà ce que ça donne. Va falloir que je trie. Il y a plein de trucs là-dedans qu'il faut que je trie. Mais là, tout de suite, je ne peux pas le faire. Je pense que je le ferai jeudi ou vendredi. Parce que demain, j'aurai pas le temps vu qu'on va sur Paris. Mais voilà. Et puis, c'est pareil. Il a trop de peluches. Je sais même pas où les mettre. Donc, en attendant, c'est là. Voilà. T'as pris une peluche à moi? Oui, elle. Pourquoi t'as fait ça? T'aimes bien? Non. Ah non! On remet comme c'était avant? Non! On laisse comme ça? Oui! T'aimes bien comme ça? Le cahier, c'est resté. On est là et tout est fait là, le cahier. T'as vu, ça a changé? Oui, c'est toi qui as fait ça. Ah bah oui! T'aimes bien? Allez, on va sécher. Bon, du coup, vous avez vu la réaction d'Owen. Au début, il a dit: mais c'est quoi ça? Il m'a dit mais c'est moche. Et au final il aime trop, il veut pas changer sa chambre. Du coup il est 19h28. Là je vais faire à manger. Je sais pas trop quoi faire, j'ai plein de trucs dans mon frigo. Donc je vais regarder, je vais faire un truc vite fait je pense. Comme ça on va manger devant un petit dessin animé à la télé. Et puis après on ira faire enfin les garçons ils vont faire dodo parce que demain on va sur Paris. On y va que demain vers midi et demi on va partir. Donc on a le temps de dormir demain matin. Mais moi personnellement je suis fatiguée, j'espère que je vais pouvoir bien dormir. J'espère que les garçons ne vont pas se lever à 7h demain matin, ça on verra. Bon allez je vais faire un... On se retrouve au même endroit, du coup j'ai préparé des gnocchis pour les petits, ils adorent ça. Et c'est rapide à cuisiner, donc j'ai fait des gnocchis. Et j'avais des tranches de jambon, donc du coup ce soir ça sera gnocchis jambon. Moi je viens de manger une soupe aux petits ronds que ma maman avait faite. Bon, si vous avez vu les vlogs, je pense que vous avez vu. Ça ressemble plus à de la purée d'ailleurs, mais j'ai rajouté un peu de lait, du coup ça s'est liquidé, liquifié, je sais pas comment dire.
C'est devenu plus liquide quoi, et du coup bah j'ai plus à manger en soupe. Là les gnocchis sont prêts, donc je vais pouvoir dire aux garçons de venir manger. Et du coup bah on va regarder un dessin animé, je pense, je sais pas encore lequel. Pourquoi il y a ça qui se met sur mon ordinateur, c'est n'importe quoi. J'ai une pub qui se met sur mon ordinateur. Du coup là je suis en train de regarder en même temps que je faisais à manger les vidéos de Baby Chou Family, mais la Baby Chou, Baby Chou Family maintenant. À la Tahiti, je suis en train de regarder le deuxième vlog qu'elle vient de poster. Où il nage avec des requins et tout, c'est un truc de ouf. Si je pouvais emmener les garçons moi partout un peu dans le monde, j'aimerais tellement voyager, les emmener un peu partout dans le monde. Même rien que tous les trois, moi ça me fait pas du tout peur de partir. On voyage et tout, rien qu'avec avec les deux petits, quoi. Avec personne d'autre. Voilà, j'aimerais bien les emmener partout, mais malheureusement, ça coûte un coup, donc c'est pas possible. Bref, allez, je vais aller manger, parce que ça va me démoraliser de savoir que je peux pas partir au soleil. C'est l'heure du dodo. Oui. T'as choisi quoi comme livre? Pirates. Les pirates? Oui. On va lire les pirates ce soir? Oui. Oui, allez, Zou. Dans ton lit? Attends. Pipi? Oui. Alors on va faire pipi. Ça, c'est le frère du lapin. Ah oui. La vie à bord n'est pas très amusante. Chaque jour, il faut nettoyer le pont avec du vinaigre, entretenir les armes, recoudre les voiles déchirées. Pourquoi? Parce que des fois, avec le vent, s'il y a la tempête, les voiles du bateau, ils se déchirent. Ah. Regarde, tu sais quoi ça? Un requin. Il y a des requins dans l'eau. Ouais. Après des semaines de navigation, des gros pirates. Il n'y a presque plus rien à manger. Les biscuits de mer qui distribuent les maîtres coqs sont pleins d'asticots. Ouais. Je viens de mettre les petits au lit, comme vous avez vu. Je vais fermer la porte parce que sinon ils vont m'entendre. Grosse surprise dans le cartable d'Aaron. Enfin, non, c'est Maxime qui l'a donné. Ils ont reçu leurs photos de classe, donc je vais vous montrer comment ils sont trop beaux dessus. Il y a du coup une photo chacun et une photo tous les deux. Donc je vais vous montrer ça, ils sont trop trop beaux. Du coup, voilà la photo d'Aaron. Il est trop mignon. Malheureusement, je vais essayer de me décaler en vrai. Le beau gosse. Donc voilà pour sa photo. Je vais essayer de vous montrer sa tête sur la photo de classe. Je sais pas si on va bien voir. Non, je suis pas sûre que ça va faire la mise au point malheureusement. Ah, peut-être là. Voilà sa tête. Bon, je peux pas vous montrer toute la photo bien évidemment parce qu'il y a tous les élèves dessus. Mais voilà la tête d'Aaron sur sa photo de classe. Voilà pour Owen. Cette tête de crapaud là. Beau gosse. Donc voilà, et je vais vous montrer sa photo, la tête sur sa photo de classe. Du coup, voilà, sur sa photo de classe, je sais pas si vous allez bien voir. Il est là. Avec son sourire de beau gosse aussi. Trop mignon. Malheureusement, ouais, ça fait pas trop la mise au point. Dommage. Et voici la photo des deux. Ils sont trop choux. Ils sont trop mignons. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai couché Aaron et Owen. Le truc, c'est que Owen est en train de me faire une crise. Ça fait deux fois que je remonte en haut parce qu'il hurle. Il dit qu'il a peur. Il m'a jamais fait ça. Je comprends pas trop. Du coup, bah, je viens de le mettre dans mon lit. Pourtant, j'ai essayé de le rassurer en lui disant qu'il n'y avait rien et tout. Et il m'a dit, j'entends des bruits. Pourtant, il n'y a vraiment rien. Donc là, je l'ai mis dans mon lit. Oui, je sais, c'est pas bien. Mais tant pis, je l'ai mis dans mon lit et il va dormir avec moi. C'est mon téléphone. Il va dormir avec moi cette nuit. Et puis voilà. Du coup, je vais aller monter le rejoindre. Il est 22h. Ça va me permettre de bien dormir aussi, de faire une grosse nuit.
toute façon, je vais aller un petit peu sur les réseaux sociaux et tout. Voilà, vous avez vu, il y a Donald qui est en train de se promener un peu. Il se promène dans la maison tout le temps, il est en liberté, donc voilà, il se promène un petit peu partout. Bref, Marcel là. Bref, je vais arrêter le vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai pas vlogué beaucoup, mais j'ai beaucoup parlé, donc je pense qu'il va quand même être assez long ce vlog, je sais pas, je vais voir demain. Je vais essayer de le monter demain matin, parce que comme on va sur Paris, pour que vous l'ayez bien, un 20h comme toutes les vidéos. Bon, en ce moment, les vues, c'est vachement pourri. Hein, on est combien? On est 82 000 sur la chaîne. Je tourne même pas. Là, les trois dernières vidéos, ils ont fait même pas 1000 vues. C'est une catastrophe. Enfin, franchement, ça me dégoûte. Je sais pas si je vais continuer. Je vais faire tous les vlogs tout le mois de novembre, c'est sûr. Mais après, je verrai en fonction des vues si j'arrête ou pas YouTube, parce que je fais pas ça pour le nombre de vues, mais quand tu vois que t'as 82 000 abonnés et que au final t'as même pas 1000 vues sur les vidéos, enfin je comprends pas. Comme disait Mélodie, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle m'a dit que j'étais plus dans, qu'elle me voyait plus dans les abonnements, mes vidéos n'étaient plus dans les abonnements. C'est super génial, hein. On verra bien si ça augmente ou pas, ou alors si bizarrement dès que je mets des titres un peu accrocheurs, vous êtes nombreux. Alors regardez, par contre, dès que je mets des vidéos, enfin un titre un peu moins accrocheur, bizarrement, vous regardez pas. Donc bah écoutez, s'il faut que je fasse du putaclic pour que vous regardez mes vidéos, c'est un peu embêtant, quoi. Enfin bon, bref, je vais aller me coucher. Et puis on se retrouve demain de toute façon. Demain, on va sur Paris pour les mercredis family. Voilà, donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je crois que c'est juste ici. Je suis pas certaine. À me rejoindre sur Instagram, parce que c'est là-bas où je poste le plus les photos. Il y a des concours qui vont arriver avec Noël et tout. Il y a pas mal de petits concours qui vont arriver. Je fais pas mal de stories aussi, donc n'hésitez pas à me suivre en story. Souvent, je filme pendant mes journées. Donc voilà, je vous fais des gros bisous.